Nous sommes le lundi de Pentecôte, et comme chaque année, une messe va être donnée devant la chapelle Saint-Valentin, qui se situe à proximité du château médiéval de Guirbaden. De nombreux fidèles se sont rendus sur place, mais beaucoup sont aussi venus pour une raison bien particulière. En effet, après l'office, le prêtre va procéder à la bénédiction des animaux emmenés par les participants à cet effet. Il y a là surtout un nombre impressionnant de chiens de toute race, mais aussi des chevaux, un mouton, un âne et même un petit faon retrouvé blessé dans la forêt par un des participants et sans doute abandonné là par sa mère. Nous croyons savoir qu'il a été pris en charge par une association spécialisée. Cette année, ce sera le père Pierre Alimazi, curé à Hautrotte, qui va officier. Signalons encore que la Société des trompes de chasse et des échos du Guirbaden, de Volkirch, assure les intermèdes musicaux durant cette cérémonie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et bienvenue à vous tous qui êtes venus ici au Guirbaden. Nous formons aujourd'hui un regroupement un peu spécial. Nous venons un peu de partout, nos besoins sont différents. Et même nos croyances sont disparates. Mais au-delà de nos différences, une réalité nous rassemble aujourd'hui. C'est la bénédiction des animaux. Maya, je te bénis au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ella, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Falco, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lipton, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mouki, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Oui, ça y est. Je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.